Allez, ça tout le monde, c'est Tazric Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 309 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Breath of the Wild Diamond Normal. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent où on s'était encore attaqué à l'exploration de notre nouvelle immense, bon c'est plus tellement nouvelle maintenant, mais immense zone dans laquelle on avait exploré un petit peu le côté comment il s'appelle la montagne qu'on avait un petit peu exploré. C'est pas le mont Ulmus parce que c'était une autre chose qu'on a déjà exploré, mais c'était proche d'un Linel quoi. Proche d'un second Linel qu'on avait capté. Mais voilà, donc on s'était quitté, je crois, devant d'ailleurs, justement, dans lequel on avait un petit peu exploré les hauteurs Jugladis, voilà, exactement. Et donc aujourd'hui, on va tenter d'explorer le reste un petit peu, on va essayer d'avancer un minimum. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire en espérant trouver des petites encore au goût. Le Linel blanc, il nous attend, il est là. On va peut-être le prendre en photo mieux. Genre voilà. Là, il sera un peu plus proche que la normale et un peu plus distingué. Bon, on va tenter de trouver des possibles noix Korogu, etc. Même si c'est compliqué parce que, parce que l'exploration d'ici, comment dire, avec tout le respect, mais que c'est la merde quand même, mais bon. Donc là, le Linel, il nous captera pas, hein, il s'en fout là, il nous fera pas de mal. Le Linel, il s'en fout un peu de notre vie. Donc c'est tant mieux en même temps. Tant mieux. Tac. Ouais. Tac. Hop. Voilà. Bon écoutez, on va explorer un peu là-bas. On se rapproche quand même de l'Ordine, hein, du volcan d'Ordine. Un petit peu de temps en temps, mais ça sera notre prochaine zone en tout cas. Je me demande si en explorant toute la carte, est-ce que on va nous donner une récompense ou je sais pas quoi. Je sais pas du tout. Concrètement, je ne sais pas du tout. Je me suis pas spoil, donc je sais pas du tout. Sans le jeu, je ne le... À part avec Hyrule Warriors, l'ère du fléau, on se spoil certaines zones de la carte, mais sinon, on connaît pas réellement le jeu hein, de base. De base, donc on n'est pas trop la carte quoi. Tac. Ok. On dirait qu'il y a de la neige vers le haut. Non, mais signe de lag. On dirait de ouf qu'il y a de la neige. Bon, après, on est proche des bras en même temps. Donc, c'était un petit peu logique. Ouais, on va explorer un peu là-bas. Avec l'exploration d'ici, vraiment très compliqué parce qu'il y a beaucoup de zones montagneuses. Donc ça veut dire qu'on va pleurer évidemment ici, hein, ça c'est sûr, on va pleurer ici par contre. Mais bon, on n'y est pas encore, hein, on va pas stresser pour rien pour le moment, on n'y est pas, d'accord. Parce que j'avoue que quand on va y être, comment dire, ça va être quand même un petit peu compliqué, hein. En tout cas, oui, j'espère que vous allez bien. Voilà, l'épisode 309, on se rapproche déjà de l'épisode 310. C'est une dinguerie. J'ai l'impression que ça passe tellement vite. Je sais pas vous, mais je trouve que ça passe d'une vitesse inimaginable. Mais inimaginable. Oh, salut toi. Pas une arme de merde. 26. On a 25, mais. Ouais. Oh. Ça, c'est gentil ça. Ok, donc après... Oh, mais tu me fais chier. Non, mais dis donc. Voilà. On va quand même un petit peu explorer. Cette fois-ci, ce côté-là. Voilà, on va se créer un nouveau passage. Non, il n'y a pas de rocher... mystérieux ou quoi. Par contre, s'il y a des chauves-souris ici, c'est que possiblement il y a quelque chose de possiblement intéressant. Parce que ça veut dire que c'est un jeu que le. Enfin, c'est un endroit que le jeu a pris compte. Enfin, que Nintendo a pris compte. Ou pas. mais bon, écoutez, on a essayé, hein. On a fait ce qu'on a pu, hein.
Voilà. Tiens, j'ai cru qu'il y avait une noix Kourou. Oh, c'est méchant ça. On regarde toujours vers le haut, mais on se rapproche de la fin là-bas. Hein, de toute façon, oh, le volcan d'Ordine, on l'a jamais vu d'aussi près dans ce let's play. Bon, bah écoutez, ouais, why not? Why not? Alors, du coup, oh, mais encore. Ah, oh, mais il y a un autre petit lac ici. Hein. Bon, il est plus petit que l'autre, mais. Il est plus petit que l'autre, mais il existe quand même. Hein. Wow, Starfalla, mais comment tu rentres là-dedans, toi? Par contre, on en parle qu'il fait si sombre. D'accord. Il te fait si sombre. C'est une dinguerie, non? Bon, par contre, les chauves-souris de feu, il y en a un milliard là-dedans. Oh. Allez. Il y en a un milliard ici. Oh. Bon, on continue d'explorer, hein. On continue d'explorer, hein. Ça, on n'a pas trop le choix. Hein. On n'a pas trop le choix. Donc, ça veut dire qu'il y a un autre lac à explorer. Il y a beaucoup de choses à explorer. Beaucoup de choses qui vont prendre plusieurs épisodes, quoi. Non, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Il n'y a même pas une petite noix Korogu, quoi. C'est la dèche en termes de noix Korogu ici. C'est une dinguerie. Non, c'est la merde, quoi. C'est vraiment. Y a rien, quoi. En termes d'exploration, y a rien du tout. Excuse-moi, c'est quoi ça? C'est un labyrinthe? Ah oui! C'est le labyrinthe. Ah oui, d'accord. Parce que nous, on a joué dans Tears of the Kingdom. C'est le labyrinthe qui est là. Le truc des dalles. Eh oui, dans Tears of the Kingdom, bon, c'est un peu spoil de la labyrinthe. Bon, il sera quand même différent dans ce. Dans ce let's play, mais. Dans ce jeu, mais c'est vrai que c'est le truc des dalles. Eh oui! On s'était spoil un petit peu. Ok. Alors, là c'est triste, t'as beau explorer au mètre carré, y a rien, quoi. Ah, ça aurait pu être bien pour une noix Korogu, mais non. Y a aucune noix Korogu, quoi. Oh, j'en peux plus de ces moblines. Hein. Laissez-moi tranquille, quoi. Ok, donc là il y a un tronc, possiblement peut-être une noix Korogu. Ou pas du tout. Ah ah ah. Ben on en avait plusieurs par contre ici. Hein. Quand c'est réputé comme noix Korogu comme truc. Hein. Mais dites-le, tu m'as trouvé une noix Korogu. C'est petit, vous avez donné un Korogu. Ça peut faire 1000 par être beaucoup. Portrait meneur à la revoyure, à la revoyure. Ben, et ça fait une noix Korogu supplémentaire. Ok, alors non, j'ai envie de vous laisser tranquille. Ouais. Tac. Évidemment. Et il y en a plusieurs. Hein. C'est une dinguerie. Fait exprès pour manipuler le comportement de l'ennemi pour le tuer et que le loot vienne vers moi, quoi. Qu'il s'envoie pas à des endroits que je veux pas envie, quoi. Bon, à mon avis, certainement avec ça, il y aura une noix Korogu. Je sais pas quand, mais. Alors, ça, on sait que des fois, on pouvait lui faire une offrande. Des fois. Donc, il faut vérifier à chaque truc si. On verrait pas de choses, possiblement, pour faire une offrande.
Donc là, il y en a plein. Bon, ça, c'est trop fil du temps, mais il y en a plein. Donc certainement, peut-être dans un des... dans un de l'heure, on va pouvoir en trouver une avec des, possiblement une Wakorogu. Enfin, possiblement, évidemment. Oh, attendez. Attendez. Ah, évidemment. Oui. On a touché la corne. Est-ce que la corne donne de quelque chose d'autre? On va aller voir. Trop curieux. Bon, ça, il a pas fait atterrir dans le vide, c'est ça qui est bien. Parce que la griffe, on connaît. Le truc de Nedrak, on connaît. Le problème, c'est que j'ai pas faim maintenant, même ça. Ah, bah alors, dans une heure, oui, j'aurais peut-être faim. Mais non, mais j'aurais jamais faim. Attends. Ah, il me prend juste un petit truc, un petit kebab galette. Non, mais il connaît kebab galette mams dans barbecue. Avec du cheddar, ouais, du cheddar, ouais. Donc c'est tout nouveau en fait, quand tu vises la corne. Éclat de corne dans Drac, le pouvoir du feu serait cristallisé pour devenir la corne d'où provient cet éclat. Il se vend à un très bon prix, mais il a sûrement une meilleure utilité. En fait, c'est que j'ai mangé il y a pas longtemps, quoi, en fait, donc en termes d'heure. Parce que moi je reprends mes repas de nuit, quoi. Donc du coup t'as pas très faim, quoi. Donc là juste là c'est juste par la gourmandise, quoi. Tac. C'est vrai, par contre, il aurait fallu peut-être que je reste un peu vers la gauche parce qu'il peut possiblement y avoir des noix Korogu, hein. À des endroits un peu inopinés, mais. Ouais, on essaye d'explorer la chose un peu de façon bien parce que là, je vous avoue que c'est compliqué. Hein. Ok, donc il y a des rochers. Pourquoi tant de rochers? Il y a un truc à jeter? Non, c'est pas possible. Non, ok, il n'y a rien à jeter. Ouais, d'accord, c'est juste pour obtenir des matériaux, quoi. Ok. Ok. Y a rien du tout. Bah en tout cas en termes d'aile de feu je pense qu'on est tranquille là pour le moment. Con. Alors hauteur de lointain ouest. D'accord, bon là on va arrêter d'explorer là. Maintenant on va explorer le dedans. J'en veux plus ces ennemis par contre. Non, non. Tac. Non, y a rien. Y a rien du tout. Y a rien du tout. Aïe 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 aïe, c'est triste. Sa zone elle semble quand même un peu vide. Oh putain, y a des Tilorok, donc ça veut dire qu'un Litorok pas loin. Ça veut dire qu'un Litorok vraiment pas loin. Rien, rien. Ouais, il faut quand même regarder parce qu'on sait jamais. Il peut possiblement y avoir des choses intéressantes. Ouais, là. Tac. Tac. Ok, donc ça on a déjà exploré déjà pour commencer. C'est là où il y avait la petite noix Korogu. La petite noix Korogu. Et du coup ben on continue hein.
On continue. Alors je me demande si dessous le lac il y aura quelque chose, une noix corgo, enfin une noix corgo, un coffre. Donc il faudra quand même l'explorer. Et certainement il y aura certainement des coffres. Donc ouais, mais le problème c'est que je vois pas de radeau, donc à mon avis on va peut-être devoir l'explorer à pied. Comme d'habitude quoi, en fait. Comme d'habitude quoi. Je crois qu'on va devoir le faire à pied avec Cryonis quoi. Et aucune statue qui veut une offrande. Oui, Mams. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Mams. Barbecue, kebab et... Oui. Oui, qu'avec du kebab, oui. Ben, j'ai pas faim, maman, en fait. J'ai pas faim, en fait. Hein. Vous commandez trop tôt, c'est même pas midi, quoi. Ah oui, c'est pas midi. Moi, j'ai mangé il y a pas longtemps, vous le savez. Vous le savez. Le corps, il a pas trop faim. Alors, comme je dis, s'il y a ça, c'est qu'il y a un litoral pas loin. Silex. Silex. Ambre brute. Bon, bah écoutez, on continue, hein. On continue l'exploration, hein. Ouais, parce qu'avant de s'attaquer à ça, j'aimerais bien au moins finir d'explorer cette zone, quoi. Avant de s'attaquer à ça, à la grande forêt d'Hyrule. C'est-à-dire qu'il y a Littorok pas loin, mais... bien gentil, mais où précisément? Où précisément? Ouais, il faudra explorer le truc. Hein. Apparemment, c'est de la... C'est quoi? C'est de la boue? Non, c'est pas de la boue. Ah si, c'est de la boue. Donc on peut pas plonger dedans. Et oui, il faudra faire très attention du coup. Donc il faudra genre se dire qu'on se fixe un truc et qu'on explore tout autour. Avec avec ça. Mm-hmm. Ok. Alors du coup... Non, là, y'a rien. Tac. Allez, on explorera le truc tout à l'heure. Hein. Enfin, tout à l'heure, dans un des prochains épisodes, quoi. Peut-être pas dans le prochain parce qu'il y a encore tellement de choses à explorer, donc du coup c'est très impossible de faire tout ce que je veux dans le prochain épisode, mais voilà quoi. Tac. Attendez, mais on dirait que c'est une zone de froid. Non mais tout fout de ma gueule alors qu'on se rapproche d'Ordine. C'est bizarre, je comprends pas. On dirait qu'il y a de la neige. Vous voyez, on dirait qu'il y a de la neige en bas, qui voltige. Voilà, bon, on est là. Maintenant, c'est-à-dire qu'on peut partir. Explorer de nouveaux horizons. On peut s'arrêter parce que je suis en train de voir l'heure. Je trouve on arrive à 20 minutes. Et ça, mais il n'y a rien.
Et du coup, bah, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous savez quoi? Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, dans l'épisode prochain, les amis, bah, on continue l'exploration de cette immense zone dans laquelle, bah, voilà, on continuera, hein, on continuera d'explorer cette, les hauteurs du lointain dans lequel, bah, voilà, on fera un petit peu. Voilà, j'aimerais bien au moins explorer ça. Donc, on fera ça. J'aimerais bien au moins explorer également ça. Donc je sais pas comment on va se démerder, mais j'aimerais bien explorer ça. Donc voilà, j'aimerais bien au moins explorer jusqu'à la limite là, enfin jusqu'à notre frontière ici, pour pouvoir du coup avant de s'attaquer, enfin oui, s'attaquer tout simplement aux ruines des Obscurcies. Donc on va s'attaquer au lac un petit peu autour. Donc on genre on se mettra à un endroit, on se mettra genre pile là et on fera ça un tour complet pour revenir là. Et au niveau des, et après ben, tout simplement une fois qu'on aura fait ça, je pense qu'on pourra explorer le contour là. Donc enfin, c'est ce qu'on fera déjà de base. Mais je veux dire, on pourra aller ici, explorer du coup là, comme ça, tac tac tac, tac 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 tac, jusqu'ici. Et une fois qu'on aura fait ça, on explorera le dedans qui est là, tout ça. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on fera le petit truc là-haut. Et après, à la fin, on s'occupera du lac. Je pense que ça peut être une très bonne idée, hein, honnêtement. Allez, bah, du coup, bah, merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 309. Et on se dit à l'épisode 310. Allez, d'ici là, bah, du coup, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.